m'appelle Maxime Boutin, j'ai 25 ans. Je suis arrivé à Edacto en janvier 2020, suite à une école d'ingénieurs, l'ESEO, à Angers, un cursus en 5 ans. À Edacto, je suis développeur logiciel dans la partie recherche et développement. Donc, on fabrique les briques logicielles pour le produit et je travaille sur la partie lecture de carte d'identité. Le projet qui m'intéresse le plus chez Edacto, c'est le projet qu'on est en train de faire actuellement, finalement, donc qui consiste à gérer l'identité numérique française. Donc, je suis responsable de la partie lecture-titre, donc la lecture des cartes d'identité, des passeports, des titres de séjour, etc. Il y a tout à apprendre, enfin, en tout cas, je n'avais pas une expérience énorme dans ce domaine, et apprendre et découvrir ce milieu, je trouve ça exceptionnel. Pour rejoindre Edacto, il faut avoir une soif de connaissances et une envie d'apprendre très importante. On est une jeune start-up, on a tout à découvrir et tout à apprendre. On a une équipe formidable, mais bon, j'ai dit qu'on travaillait dur, mais on sait également s'amuser. La ville d'Angers, c'est un cadre exceptionnel. J'ai passé mes études à Angers, donc j'aime bien la ville, j'apprécie énormément. Et également le cadre de travail. On est dans une villa qui a été complètement rénovée avec d'autres start-up. Ça permet de ne pas rester que dans son équipe, mais aussi d'avoir des relations avec d'autres entreprises, pouvoir échanger et partager.